Salam alaikum Mazoul. Bon, soir. Nul besoin d'être grand clair pour deviner que ça se passe très mal au sommet et que les clans en présence sont entrés en guerre. Et même plus, puisque nous sommes en train d'assister à une véritable opération de com'. De la part de qui? Eh bien, tenez-vous bien, de la part de l'ex-DRS. Jugez-en plutôt, à la lumière de cet article paru aujourd'hui sur TSA et dont je vous donne le titre. Je cite. Le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyahia. Fin de citation. Le DRS, vous avez bien entendu, le titre dit bien DRS et non pas DSS. Je rappelle pour ceux qui sont un peu perdus dans ce fouillis d'appellations que le DSS est né du démantèlement du DRS. Il est utile aussi de rappeler que cette nouvelle structure sécuritaire, la DSS, la Direction des services de sécurité, a été créée par décret non publiable, donc impossible pour le commun des mortels de savoir quoi que ce soit sur sa composante, sur ses missions, sur les institutions qui la contrôlent, même si quelques informations sur ses dispositions ont été distillées, très savamment d'ailleurs. Entre autres, qu'il est prévu de réunir tous les services de renseignement de cette structure, de cette nouvelle structure, sous le contrôle des ministres d'État, qui ne relèvent plus du ministère de la Défense nationale, de l'armée, mais de la présidence de la République. La khutba a donc été dite, le puissant chef du DRS a été renvoyé à ses foyers, et celui qui règne au nom du président, et qui n'est pas le président, est devenu le véritable homme fort du pays. Au point où tout le haut commandement de l'armée lui mange dans la main. Sauf que le problème qui a surgi et qui risque de chambouler toute la cambuse est que le dit grand boss n'a plus les moyens de son pouvoir, puisqu'il ne peut plus arroser aussi généreusement qu'il le faisait tous les grands acteurs de la scène politique, tous ceux-là qui venaient lui manger dans la main en bêlant leur soumission. Il n'y a plus suffisamment d'argent pour toute la foule de gloutons qui grouillent dans le sérail. Et c'est bien pour cela que depuis quelque temps, l'édifice se lézarde de tous côtés, que les équilibres se rompent, que des barons du régime s'étripent jusque dans la rue, que des décideurs de premier rang passent d'un clan à l'autre, puis de l'autre à l'autre, que les rats quittent le navire présidentiel qui fait eau de toutes parts. Et c'est cela que l'ex-DRS attendait, lui qui vient de faire dire par ce curieux titre de TSA, qu'il est toujours là. Que le moment est venu pour lui de reprendre l'initiative, voire même, peut-être, le pouvoir. C'est une véritable opération comme un message qui se veut sans ambiguïté, à destination de tous ceux, autant dire de tous, de tous les barons du régime, que le vent va bientôt changer de direction et qu'il n'y en aura plus pour les retardataires, que les premiers à faire acte d'allégeance seront pardonnés et que les hésitants seront du nombre des perdants. Le plus curieux est que ce message n'est pas seulement à destination des barons du régime, mais qu'il se veut grand public,
puisqu'il ne s'est pas confiné dans la communication habituelle entre forces en présence, dont la rue ne devine généralement rien, de la même manière qu'elle ne sait jamais rien de la lutte des clans. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, la guerre des clans est descendue dans la rue, à travers des journaux et des sites grand public. C'est plus qu'un coup de semonce, c'est une déclaration de guerre. Et les boucs émissaires ne sont plus des personnages de seconde zone, mais le Premier ministre lui-même et des ministres de premier plan qui se trouvent être les maillons faibles du président à la place du président. Oui, comme par hasard, Ammar Ghul, Abdeslam Bouchouareb, Ould Abbas et d'autres sont, entre autres, trois personnalités dont les frasques et les turpitudes pourront inquiéter directement celui qui règne à la place du président. Ce sont ces maillons faibles. Et ce n'est pas pour rien que depuis une semaine, des rumeurs d'enquête sur eux se répandent comme une traînée de poudre. En tous les cas, il est plus que certain que les luttes de clans au plus haut sommet du régime se durcissent et qu'elles prennent une tournure plus qu'alarmante. Le taureau est lâché. Les journalistes d'émissions spéciales ont été réactivés et quasiment tous les barons du régime sont dans l'expectative. Quand ils sauront où a tourné le vent, il ne faut pas douter qu'ils vont tous se ruer dans les bras du plus fort. À moins que, quel que soit le clan vainqueur, il n'aura pas suffisamment d'argent pour contenter tout le monde. Et là, il ne faut pas être foudre de guerre pour savoir que la menace, la violence et les représailles sont à la corruption, ce que le bâton est à l'absence de carottes. Aujourd'hui. TSA. Le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyaïa, par Yacine Babouche. Observe Algérie, rapport du DSI. Quand Ahmed Ouyaïa inquiète le DRS, par Khaled Bell. Le matin d'Algérie, Abdeslam Bouchareb et Ammar Ghul enfin devant la justice algérienne, par la rédaction. La guerre des clans fait rage, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi ici Brahim Younsi, analyste politique. Merci, Brahim Younsi. Bonsoir, Jamaldine. Merci encore une fois. Bonsoir. Merci. Faisal Mattaoui sera avec nous depuis Alger, journaliste à TSA. Et Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, sera avec nous en Skype. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Est-ce que Faisal est avec nous? Faisal, nous n'arrivons toujours pas à le joindre. Brahim Younsi, derrière moi, je ne sais pas si on voit, c'est la une de TSA, où malheureusement on ne voit pas le titre. Hein. Vous le voyez, vous, Brahim Younsi? Je vois bien. Le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyaïa. C'est bien écrit, le DRS. C'est écrit, le DRS. Alors, je vais vous dire, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, c'est une coquille. Le journaliste a dû se tromper. Donc, toutes les 10 minutes, j'actualisais. J'actualisais pour voir s'ils avaient corrigé ou non. Ils n'ont pas corrigé jusqu'à il y a une minute. Et donc, ce n'est pas une erreur. C'est voulu. Est-ce que, d'après vous, le DRS veut marquer quelque chose, il veut dire oui, je suis là, oui, je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'il n'existe plus? Pourquoi titrer à la une du plus grand journal algérien, le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyaïa? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sigle n'existe plus. Oui. Mais l'organe, l'organisme, l'institution oui. existe toujours. Oui, mais pourquoi ne pas avoir dit la DSS? C'est pour dire, tout simplement, à mon sens, que l'ancien patron Tawfiq Medine réagit. Il veut marquer un retour symbolique, appelons-le comme ça pour l'instant. Mais ce retour symbolique
du général Toufik, donc du DRS à travers la personne de son patron, de son ex-patron, s'est manifesté il y a quelques semaines par les propos tenus par l'ancien directeur général d'Air Algérie, pour dire, comme ça, alors qu'on ne lui demandait pas, le général Toufik exprime sa fidélité au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, alors que personne ne lui demandait. Oui. Que se cachait-il derrière cette... Probablement, c'est aussi, aujourd'hui, se manifeste ce que certains voyaient déjà il y a quelques semaines et le voyaient déjà à travers ces manifestations, ces agitations que l'on voit ou que l'on voyait à travers l'exigence ou à travers la revendication de l'application de l'article 102. Oui. C'est finalement, l'article 102, qui le demande, à part quelques personnalités politiques? Finalement, tout ce bon monde, Toufik à en croire l'ex-directeur d'Air Algérie, est en train de bénir Bouteflika. Tout à l'heure, il y a moins d'une heure, Ouyahia, Sidi Saïd et Ali Haddad et leurs troupes ont signé, alors tenez-vous bien, vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, une motion de soutien à qui? Au président de la République. Cela veut dire, cela veut dire qu'il y a, qu'il y a le feu au lac, qu'il y a des gens qui s'expriment. Et il y a des paravents, il y a des gens que l'on manipule, que l'on manœuvre, etc., pour un clan. Oui. Les clans sont en train de s'exprimer. Mais ce coup d'État qui s'annonce, il est contre qui? Mais au-delà, au-delà de ces manifestations que l'on voit, c'est les propos mêmes tenus par le DRS sur la personne du Premier ministre. Oui. Pour dire que le Premier ministre est non seulement provocateur à travers son discours, il menace la stabilité du pays tout entier. Et il tient des propos dangereux. Oui. Dangereux, et d'autant plus dangereux que l'Algérie est en situation d'instabilité, de trouble. C'est ce qui est dit. Oui. C'est ce qui est dit. Oui, ils ont dit qu'il a jeté la panique dans le pays, qu'il a provoqué un véritable... C'est là où le problème se pose. Voilà, on accuse un Premier ministre de provoquer la société, c'est-à-dire de l'appeler à la rébellion, mais de dire que son discours... Est-ce le cas? Pourquoi Ouyahia a voulu faire peur aux Algériens en leur disant « je n'aurai même pas de quoi payer les salaires de novembre, il faudra préparer à changer », avant de changer de discours, puisque quelques jours plus tard, il revient à un tout autre discours. À 180 degrés sur le discours qu'il avait tenu. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à faire paniquer les gens? Je crois sincèrement, n'étant pas dans les secrets des dieux, qu'il a obéi aussi à des instructions pour alarmer, pour tenir ce discours alarmiste qui... Mais il n'avait pas tort, en vérité. La situation est alarmante. Il y a péril, on l'a demeure. Il y a plus d'argent. Il n'avait pas tort de dire qu'il ne pouvait pas, que les caisses de l'État sont vides, et réellement les caisses de l'État sont vides, et qu'il ne pouvait pas payer... vraisemblablement les salaires du mois de novembre. Mais le dire de la façon dans laquelle, avec laquelle il a dit, ne peut que jeter la panique. La preuve, du jour au lendemain, l'euro est monté à 220. Cela est vrai. Mais le président de la République aurait pu convoquer son Premier ministre ou lui donner des éléments de langage. Vous voulez dire Saïd Bouteflika? Le président de la République, le président de la République, lui donner des éléments de langage, ou l'appeler pour le sermonner, comme on le fait généralement, pour qu'il revienne sur les propos qu'il a tenus. Mais ce n'est pas le président de la République qui remet le Premier ministre à l'ordre, mais ce sont des ministres qui ont reçu des instructions pour contredire leur Premier ministre. Nous allons y arriver tout à l'heure. Sofiane Gilali... vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone que vous ne captez pas TSA, donc que finalement, ce que disait TFA de ce boycott contre elle est bien vrai. TSA qui, rappelons-le, qu'on le veuille ou non, est devenu le premier journal algérien. Oui, bonsoir. Absolument, bonsoir. On ne peut plus avoir TSA lorsque vous utilisez soit le canal de la DSL ou alors par le téléphone à la Mobilis.
C'est depuis plusieurs semaines. Je m'étais même enquis auprès de certains journalistes de TSA. Ils m'avaient confirmé le fait, sans savoir pour autant si c'était d'une censure non déclarée ou s'il y avait un vrai problème technique. Mais je pense que maintenant, il est clair qu'il s'agissait d'une censure. Si vous permettez, Sébel Chenouf, je reviens un petit peu au problème de l'article 102. J'écoute très souvent des invités à vous qui viennent sur votre plateau pour expliquer aux Algériens à travers le Maghrebia que ceux qui demandent le 102 sont des gens manipulés. Je suis fatigué de ces gens-là qui sont bien installés dans leur salon, qui n'ont aucune connaissance du terrain et qui nous accusent sournoisement d'opérer pour X ou Y. Je le dis à M. Younsi parce que j'ai compris par une remarque insidieuse que je travaillais pour X ou Y. S'il devait avoir une information, j'aimerais bien qu'il le dise officiellement. Et moi, je ne ferai pas comme lui, je ne vais pas l'accuser de travailler pour X ou Y. Je pense qu'il est un homme adulte, majeur et vacciné et qu'il sait se défendre. C'est ce que je fais ici. Je rappelle qu'en 2013, en mars 2013, M. Bouteflika était encore sur ses deux pieds. Il marchait, il avait encore un peu la voix lorsque j'avais organisé une conférence de presse pour dire non au quatrième mandat. Et depuis, je n'ai pas arrêté de lutter, non seulement contre M. Bouteflika en tant que personne, mais en tant qu'incarnation d'un système. Car le système, c'est trop simple de dire le système de façon anonyme. C'est quoi le système? Le système, ce n'est pas une atmosphère. Ce n'est pas, je ne sais pas, un mot abracadabrant. Le système, ce sont des hommes. Et moi, je nomme les hommes. Contrairement à beaucoup de pseudo-opposants qui disent « Nous, on s'oppose aux idées, mais pas aux hommes. » Monsieur, les idées, les pratiques sont portées par des hommes. Et les hommes qui ont fait la mafiocratie, ce sont Monsieur Bouteflika, ses ministres, ses gouvernements, ses wali. Et lorsque je dis que Monsieur Bouteflika doit partir, c'est lui et toute sa smala sans exception. Donc arrêtons les accusations à tort et à travers sans connaître le fond des choses. Moi, je mets au sujet du titre de TSA d'aujourd'hui, le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyahia. Vous savez, les difficultés de la pratique politique en Algérie, c'est qu'il y a énormément d'intox, il y a énormément de rumeurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours ou quelques temps, on disait « Monsieur Ouyahia, c'est l'homme des services, c'est l'homme du DRS ». Puis subitement, il apparaît que non, le DRS s'attaque à Monsieur Ouyahia. Vous savez, un journaliste utilise un titre pour attirer les lecteurs. Si les gens ne connaissent pas le DSS, ils connaissent le DRS, mais immédiatement dans l'article, il est écrit l'ex-DRS. Le DRS, c'était une direction recherche et sécurité ou quelque chose comme ça. Renseignement et sécurité qui regroupait plusieurs directions. Oui. La DCSA qui est la sécurité de l'armée, la DSI qui semble qui gère la sécurité interne, il y a la sécurité externe. Tout cela a été démantelé, remanié. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Par définition, les services secrets sont secrets, je le rappelle, sauf pour ceux qui y font partie, qui doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Donc arrêtons de parler simplement parce qu'un journal a titré quelque chose. Maintenant, est-ce que le fond du problème, y a-t-il des ordres au sein du pouvoir? Là, il n'y a pas une seule personne raisonnable qui puisse dire le contraire. Sofiane Gilali, alors dans le dit article, non seulement le mot DRS, d'une structure qui a été démantelée officiellement, qui n'existe plus, et TSA n'a pas corrigé. Ensuite, dans le corps de l'article, ils disent que les services de la DSI, une structure de la DSS, a saisi des experts de la présidence, des économistes, pour qu'ils analysent et lui fassent un rapport sur le comportement et l'attitude du chef du gouvernement. Et ce n'est pas à la DSI de saisir les experts de la présidence, mais de la présidence de les saisir. Et il dit aussi qu'il s'alarme, qu'il s'inquiète. Et le comble du comble, c'est que cette alarme, cette inquiétude, n'a pas circulé de façon confidentielle, sous pli confidentiel, mais elle a été
expédié à TSA dans les deux langues. Un article en arabe et un article en français dont le titre est DRS. Je ne pense pas que tout cela soit gratuit, Souyen Gilali. Écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. En plus, c'est à partir apparemment d'un article qui est apparu sur un quotidien de l'Ouest, le quotidien d'Oran, pour ne pas le nommer. Il y a eu... un article signé Rania Oukazi. Un autre article apparu sur El Watan signé Salima Tlemcani. Si j'ai bien lu l'article de Salima Tlemcani, il parlait de Tigan Turin et du jugement en cours des quelques terroristes qui ont été arrêtés. Absolument. Et comme chute, juste une précision, Sien Gilali, comme chute de l'article de Salima Tlemcani, elle se pose une question à la fin de l'article, gravissime, où elle dit on ne comprend pas comment l'un des terroristes se trouvait parmi eux alors qu'il était en prison. Et c'est plus grave que ça, il n'y a pas. Oui, absolument. Ça, c'est au pouvoir maintenant de s'expliquer. C'est au ministre de la Justice qu'il faut interpeller. Il faut que, théoriquement, un président de la République aurait dû être là pour expliquer aux citoyens ce qui se passe. Malheureusement, je reviens, nous vivons un désordre extraordinaire où un président de la République est totalement absent. Tout le monde a vu les dernières images malheureuses en présence de Medvedev, où l'interprète avait sorti les gros yeux lorsqu'elle a réagi apparemment à un grognement du président de la République. C'est complètement, c'est odieux ce qui se passe maintenant qu'on utilise ce vieil Al-Ra de cette façon. Maintenant, il est clair qu'il y a des contradictions à l'intérieur du régime. Qui est avec qui? Moi, je ne saurais pas vous le dire. Moi, ce que je fais, mon travail dans l'opposition, c'est de prendre mon bâton et d'aller prêcher la parole auprès de mes concitoyens, de leur dire cette situation est inacceptable. Il faut mettre dehors cette mafiocratie, toute comme elle est. Il faut remettre en place un nouvel état de droit. Il faut discuter le plus largement possible avec tous les Algériens qui ont à cœur de remettre ce pays debout. Il faut remettre en place de vraies institutions, faire de vraies élections. Le reste, je ne rentre pas dans les micmacs de ces rumeurs, contre-rumeurs, intox et autres. Je sais une chose, c'est que la situation est très grave, qu'il y a des gens qui continuent à siphonner le peu d'argent qu'il y a dans le pays, que les services publics ne remplissent plus leurs fonctions, que le citoyen algérien est écrasé par l'inflation, par, le climat autour de nous. Ça, c'est important à dire. Maintenant, quelle est la phrase qui a été dite par X ou Y? Qui se place avec qui ou contre qui, c'est de l'ordre du secondaire. Restez avec nous, Sien Gilali, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, je présume que vous voulez répondre avant que je vous pose de questions. Oui. 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 Assez brièvement, je continue, juste une mise au point. Je continue à dire que Sien Gilali se sente concerné, c'est son problème. Moi, je dis que ceux qui appellent à l'article 102 appartiennent à un clan. Voilà la réalité. La réalité de l'opposition, c'est celle que certains, dont moi, ont faite dans les années 80, 70-80 et dans les années 90. Parce que dans les années 90, comme dirait Jean-Paul Sartre, au moment de la guerre 39-40, c'est le moment du choix. Et le moment du choix s'est fait en 1992. Or, M. Gilali s'était mis derrière les chars et avec les chars. Moi, j'étais en face des chars. C'est ça, la réalité. La réalité remonte à 1992-1988. Tous les opposants qui se découvrent opposants aujourd'hui, en 2017, les Algériens les connaissent et savent qui fait quoi et qui a fait qui. Quoi ? D'accord, voilà la réalité. Moi, je ne me suis pas mis derrière les chars. Et je n'ai pas appelé l'armée au coup d'État. Je laisserai Gilali vous répondre lui-même. Non, mais, sinon. C'est dire que l'article 102, l'article 102, et vous-même, vous le pensez, est inapplicable. Il est inapplicable. Mais je crois que dire que ceux qui le revendiquent appartiennent à un clan, je crois que c'est trop fort. Est-ce que, je le dis, Oui, c'est votre droit, bien sûr. Est-ce que l'Algérie et le pouvoir qui est là est fondé sur quelque élection que ce soit? Non. La seule élection, je dis bien la seule élection, qui soit une élection qui a engagé le peuple
et qui a engagé la souveraineté populaire, c'est celle de décembre 1991. Et que je sache, M. Sofiane Djilali s'est opposé à cette élection de décembre 1991. Nous n'allons pas provoquer une polémique non, sur ce plan-là. Parce que il a dit cas, des choses, il est libre de vous répondre ou pas, mais j'aimerais que vous disiez. Je dois répondre. Je vous donnerai la parole dans un instant, Sofiane Djilali. Alors, Brahim Younsi, après donc, cet article de DRS, il y a un peu moins de deux heures, un autre article est tombé qui nous apprend que Ouyahia, la formation de Ali Haddad et Sidi Saïd, qui représente l'UJTA, ont signé une motion de soutien à qui? À M. Bouteflika. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette curieuse... C'est assez énigmatique, en effet. Mais simplement, cela répond à une situation. Cela veut dire qu'il y a effectivement un incendie qui est en train de se déclarer. Il y a véritablement des clans qui sont en train, non pas de vouloir changer le système, contrairement à ce qu'on pense, y compris par l'article 102. Mmh. Y compris par l'article 102. On n'est pas en train de vouloir changer le système, mais on veut absolument contrôler le système, parce qu'il y a de moins en moins de ressources. Mais pourquoi soutien à Bouteflika, puisque ce n'est pas lui qui est attaqué visiblement, c'est la personne de Ouyahia. C'est Ouyahia qui est la cible de certaines attaques publiques sur TSA. Or, pourquoi ne pas faire une motion de soutien au chef du gouvernement, Premier ministre ? Parce qu'à travers le chef du gouvernement, c'est le président de la République qui est visé. Oui. C'est indéniable. On ne s'attaque pas à un second couteau, si j'ose dire. On ne s'attaque pas au Premier ministre, alors que le Premier ministre est nommé par le président de la République. Ce que disent les rédacteurs de ce rapport, ils disent d'Ouyahia. Ouyahia a dû en faire plus que ce qui lui a été demandé. Il est fait pour assumer et exécuter, oui, les sales besognes, mais il est allé trop vite avec une assurance démesurée. Oui. Voilà le, je n'en reviens pas de ce style. Je me demande qui a pu rédiger. L'objet. Voilà l'objet. Ah. Hein, c'est, on s'attaque oui, oui, au président de la République, en vérité. Mais on s'attaque aussi de façon indirecte à la personne du frère du président. Oui, bon, lorsqu'on dit dans la presse que Abdeslam Bouchouer bin Ammar roule enfin devant la justice algérienne, point d'interrogation. Lorsque dans un autre site, on dit que les enfants de Wild Abbas sont l'objet d'une enquête pour de très grosses indélicatesses. Il y a le feu dans la combuse. Dans le lac, oui. C'est dire que ça tourne autour, toujours, de la corruption, de la maîtrise. Permettez-moi, je vais dire ça aujourd'hui, oui, hein, de ce qu'on appelle la rente pétrolière. C'est tout cela se joue autour des ressources. Alors, autre chose, moi qui m'interpelle, je n'y comprends rien pour tout vous avouer. Alors, M. Ouyahia arrive et il dit... je n'aurai même pas de quoi payer le mois de novembre. D'accord? Plus grave que ça, il n'y a pas. Nous l'avons entendu. Son ministre des Finances, alors il dit, je ne pourrai pas payer novembre si je ne fais pas recours à la planche à billets. Je dois fabriquer de la fausse monnaie pour payer les gens et relancer l'économie. Comme si on pouvait relancer l'économie algérienne qui fonctionne qu'avec des devises étrangères, si on pouvait la relancer avec des dinars. Mais enfin, son ministre des Finances, qu'est-ce qu'il déclare publiquement? Le recours au financement non conventionnel, ça veut dire la planche à billets, sera pris en dernier recours. Ça veut dire vraiment dans 5-6 ans. Le Premier ministre parle de la reprise dans l'urgence, de l'exploitation et de la prospection du gaz de schiste. Son ministre de l'Énergie, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, le gaz de schiste n'est pas pour demain. Il ne pourra être mis sur la table, alors il précise, que dans 5 à 10 ans. Ça veut dire quoi, ces ministres qui contredisent leur Premier ministre de façon aussi violente, aussi, j'allais dire, radicale? C'est comme s'ils voulaient l'humilier. Ça veut dire quoi? Cela s'est déjà passé. On a humilié Tebboune de la même façon. Oui. Il disait une chose la veille, le lendemain, un ministre le contredisait.
où Yahya est mis sous tutelle, où il s'en va de lui-même, où il va partir. D'ailleurs, on a parlé d'un remaniement ministériel. Et il a démenti. Et c'est la première fois qu'on entend un chef du gouvernement ou un Premier ministre démentir des rumeurs de remaniement. Bon. C'est incroyable. Bon, parce que, vraisemblablement, il n'en a pas pour longtemps. Vous pensez qu'il va lui arriver ce qui est arrivé à Tebboune ? Vraisemblablement. Vraisemblablement. C'est parce grave. qu'il s'est protégé, il voulait se protéger en disant qu'il n'y aura pas de remaniement. Mais il est... Y compris dans son équipe, parmi ses propres ministres qui l'ont contredit publiquement ? Non, c'est lui qui va partir. D'accord. C'est lui qui va partir. C'est ce qu'il voulait dire, d'après vous, dans cette... C'est lui qui va partir. C'est lui qui est visé dans le rapport. Et le président de la République, appelons-le comme ça, c'est la fonction, oui, qui convoque des ministres pour contredire le Premier ministre. C'est incroyable. Sofiane Djilali, c'est à vous. Oui. Vous vouliez répondre à Brahim Younsi ? Oui, brièvement, parce que oui, c'est en effet, une polémique de mauvaise foi. Moi, je mets au défi M. Brahim Younsi de trouver une seule déclaration de 90, 91, 92, 94 jusqu'à aujourd'hui où j'ai été pour le coup d'État de 90, ou de début 92. Je le mets au défi de donner une seule de mes positions où j'aurais soutenu une quelconque oppression. Vous l'étiez de fait. Comment ça de fait ? Je n'ai pas le droit de respirer, peut-être. Votre parti l'était. Le parti auquel j'appartenais ne l'a jamais été. Monsieur Brahim Younsi, révisez votre histoire. Vous faites un amalgame. Je ne fais pas de la révision. Nous n'allons pas nous enfoncer dans un faux... Souviens Brahim Younsi, nous allons laisser Souviens Djilali répondre. Brahim Younsi. Qui venait s'opposer à moi. Brahim Younsi. Nous allons le laisser répondre parce qu'il a été donc pris à partie. Très brièvement, Sofiane Djilali, pour passer à d'autres questions. Juste encore un mot sur le 102. Nous sommes le seul parti politique en Algérie qui défendons l'article 102. Donc ceux qui attaquent, les partis qui défendent l'article 102, attaquent forcément Jil Jadid. Et c'est pour ça, maintenant, si M. Brahim Younsi pense que moi, je suis le représentant d'un clan qui a la capacité de renverser la situation dans le pays, ben qu'il le pense s'il le veut. Sofiane Djilali, ceci étant dit, l'article 102, sauf que je ne voudrais pas que nous nous éternisions, parce qu'il y a d'autres points. L'article 102, personnellement, j'ai toujours appelé, en tant que citoyen, de mes voeux, l'application de cet article. Or, vous savez très bien, Sofiane Djilali, qu'il est quasiment inapplicable. Vous savez que dans les 12 membres du Conseil constitutionnel, pour proposer au Parlement la procédure d'empêchement, il faut que ça soit fait à l'unanimité. Si un seul membre, un seul, quel qu'il soit, président ou non, du Conseil, alors qu'ils sont tous acquis à la fratrie Bouteflika, si un seul membre refuse de proposer au Parlement la procédure d'empêchement, la procédure est annulée purement et simplement sans la possibilité de recours par qui que ce soit et par quelque institution que ce soit. Ensuite, si jamais la proposition passe devant le Parlement, devant les deux chambres réunies, il faut qu'il y ait l'accord par les deux tiers des deux chambres. Et vous savez, vous qui connaissez la composition de ces deux chambres, que c'est quasiment impossible que les deux tiers de ces deux chambres quasiment acquis, quasiment désignés par le clan présidentiel ne vont pas mordre la main qui les nourrit, Sofiane Djilali. Monsieur Djamaldine, figurez-vous qu'on avait conscience des obstacles que vous venez de citer, mais comme le dit la loi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est un système qui a monté en place un arsenal juridique pour se protéger. Ça, on n'est pas dupe. Et ce n'est pas parce que Jil Jadid appelle à l'application 102 que d'un coup, d'un seul, le 102 vient s'appliquer parce que ça signifierait une révolution. Non, on a demandé l'article 102 tout simplement parce que c'est un article de la Constitution algérienne et qui aurait dû s'appliquer, et on a besoin de faire prendre conscience à la population qu'il y a de graves anomalies dans le pays. Alors le 102, pour moi, était une magnifique occasion pour sortir dans la rue,
pour aller parler aux citoyens et leur dire que nous n'avons plus de président et qu'il y a une mafiocratie qui dirige le pays à la place du président. Je ne m'étais jamais fait aucune illusion sur cela, sinon je ne me serais pas lancé dans cette histoire-là. C'est un travail politique et j'avais aimé, souhaité, espéré que tous ceux qui se disent opposants disent la même parole en sachant que l'Assemblée nationale, que nous disons d'elle qu'elle est illégitime, que ces élections n'ont rien apporté et qu'elle n'allait pas mettre en application l'article 102, mais on les aurait acculés. Si toute l'opposition avait été sincère et si elle avait continué à faire pression, le pouvoir aurait mis un genou à terre. C'est ce qui s'est passé le 4 mai lorsqu'il y a eu le boycott. Lorsque nous avions appelé au boycott, personne ne nous a pris au sérieux. Mais au final, qui a gagné en valeur? 87% des Algériens n'ont pas voulu voter, ont boycotté. Ils ont répondu à votre appel. Ne confondons pas, pas spécialement à notre appel, M. Brahim Younsi, mais je ne pense pas qu'il faille faire de l'intelligent, parce que là, on va rentrer dans une polémique inutile. Maintenant, si c'est Jill Jadid en particulier qui ne vous plaît pas, c'est votre droit. Mais vous, que faites-vous là où vous êtes? Moi, je suis ici sur le terrain. Je me bats avec mes petits moyens. Et si j'avais derrière moi une force, je ne serais pas là où je suis. Vous êtes soutenu, Monsieur Djilali. Vous êtes soutenu. On évite les attaques personnelles. C'est pas personnel, c'est le parti politique. Vous êtes soutenu. Souviens Djilali. Pour ne pas nous retrouver dans une polémique stérile qui ne va rien apporter à qui que ce soit. Ma question est sur l'autre article de TSA qui est sorti en dernier lieu. Les non-dits d'une motion de soutien à Bouteflika. Alors, curieusement, le chef du gouvernement, le Premier ministre plutôt, le président du patronat du FCE et M. Sidi Saïd, le secrétaire général du GTA, signent une motion de soutien à Bouteflika. Et d'ailleurs, selon le journaliste, vous faites partie de ceux qui sont pris à partie par cette intention de soutenir le président, c'est-à-dire ceux qui ont appelé à l'article 102, les trois personnalités qui ont appelé à faire quelque chose pour faire partir ce président, Nordine Bokro, et vous-même, donc, qui appelez à l'application de l'article 102. Qu'est-ce que vous pensez de cette curieuse motion de soutien? Et après vous, nous avons le plaisir de recevoir Farhat Aitali qui va nous dire un peu ce qu'il pense de tout ça. Alors, je vais juste commencer par une dernière interpellation. J'espère que M. Brahim Younsi va dénoncer, et c'est son devoir de le dire aux Algériens, qui serait derrière moi. Il faut qu'il le fasse, c'est son devoir, parce que sinon ça veut dire que je suis un imposteur et que je suis en train de tromper les Algériens, donc qu'il le dise. Pour revenir à ces motions de soutien, cela fait des années maintenant que les prédateurs du système serrent les coudes et à chaque fois essayent de nous imposer un homme qui n'existe plus simplement pour se partager la rente entre eux. Donc ce n'est absolument pas étonnant. On avait vu l'épisode avec Tebboune, comment au cimetière Al-Alia, il y avait cette complicité entre les notabilités du régime, comment ils s'échangeaient les regards comme des complices à l'évidence. Donc nous sommes dans un système de mafiocratie qui se serre les coudes pour éviter ce soulèvement qui s'annonce parce que d'une manière ou d'une autre, les Algériens refusent ce qui se passe et refusent de subir les contre-coups de l'incompétence, de la mauvaise gestion et de la corruption qui est là depuis maintenant des décennies. Restez avec nous, Sian Djilali, Farhat Aitali, merci de nous avoir rejoints, bien que ce soit en fin d'émission, malheureusement. Bonsoir, Sidi Djemal. Bonjour, Sidi Farhat. Alors, cette histoire de TSA, je ne sais pas si vous avez vu ce titre de TSA, alors je vous le lis au cas où vous ne l'auriez pas lu. Le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours d'Ouyahia et où on apprend dans le corps de l'article que une structure du DRS, hein, ils ne disent pas la DSS, et ça n'a pas été corrigé par TSA plus de 10 heures. Hein. Et donc,
Est-ce que ça veut dire que le DRS est en train de marquer le paysage pour dire « je suis toujours là, je suis celui qui donne encore des instructions aux experts de la présidence pour leur demander de me faire un rapport sur l'attitude de M. Ouyahia, je suis celui qui s'exprime non pas à travers des rapports confidentiels de structure à structure, d'institution à institution, mais non, moi j'envoie des articles, l'un en arabe, l'autre en français, à TSA, le plus grand journal, pour dire que le DRS est toujours là. Qu'est-ce que vous en pensez, Farhat Haitali ? Moi, personnellement, je suis toujours sceptique sur ce genre d'article et sur les sources de ce genre d'article. De toute façon, il n'y a pas que TSA qui a sorti ça. Je crois qu'il y a deux ou trois journaux qui ont sorti cette information. Bon, ceci dit, quand même, je constate que M. Ouyahia a réussi à se mettre sur le dos la principale officine à laquelle il devait initialement toute sa carrière. C'est quand même quelque part comique, parce qu'après s'être mis sur le dos tous les Algériens, toutes tendances confondues, lui qui était justement fondé à le faire de par le fait qu'il croyait être supporté par le DRS, ça peut manifestement, si on en croit cet article, il a été lâché même par cette officine. Mais apparemment, il a dû tirer le câble de trou. Bon, ceci dit, ce genre de service est en droit de faire des rapports. À qui de droit ? À ses supérieurs et à la présidence. Il n'est quand même pas en droit, justement, d'estimer de ce qui est bon ou pas bon pour l'Algérie. Il n'est pas en droit aussi de décider, de confier des tâches, ni à des experts économiques, ni à qui que ce soit, en dehors, bien sûr, de ses propres services. Tout ce qui relève de la présidence ou d'autres choses, ou même dans la société, je crois que l'époque où il pouvait le faire, enfin du moins, en catimini, est plus ou moins révolue. Hein, ça, autrement, ce genre d'article ne serait jamais, n'aurait jamais paru. Mais, Farhat Haitali, menacer les gens discrètement. Farhat Haitali, qu'est-ce que vous pensez, nous en parlions il y a un moment, alors M. Ouyahia, Premier ministre qui arrive devant les députés et les sénateurs, qui leur dit « si je n'actionne pas la planche à billets, je n'aurai même pas de quoi vous payer en novembre, même vous », et son ministre des Finances qui dit « non, 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 la planche à billets sera vraiment le dernier recours, pas avant plusieurs mois ou plusieurs années ». Le même Yahya qui dit « il faut aller très vite vers l'exploitation du gaz de schiste », et son ministre de l'Énergie qui dit « non, 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 le gaz de schiste, c'est vraiment le dernier recours », il précise, pas entre 5 et 10 années au moins. Et ces ministres qui contredisent publiquement, s'il vous plaît, le Premier ministre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on avait fabriqué dans l'ancien temps une aura, une puissance à Ouyahia qu'il n'avait pas. Il n'avait pas de qualité d'orateur. Moi, j'ai suivi ses discours et c'est sorti depuis l'époque Zerouel. Il n'a jamais été un grand orateur et encore, moi, c'est un piètre orateur. Vous lui écriviez ses discours, Farhat Haitali ? Pardon ? Vous lui écriviez ses discours ? Non, je les suivais. Ah, d'accord. Je les suivais en tant que citoyen. Je ne peux pas écrire ce genre de discours. C'est humain. Justement, je me suis posé la question. Justement. Farhat Haitali, juste une petite question. Ces derniers temps, on entend beaucoup de gens s'exprimer sur cette pseudo-compétence et cette pseudo-éloquence d'Ouyahia pour nous dire non, non, il n'en est vraiment pas, c'est vraiment pas le cas. C'est un monsieur qui est très incompétent et qui ne sait pas parler du tout. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il se contredisait plusieurs fois dans le même discours et qu'il jouait beaucoup plus sur l'amnésie des gens et sa capacité au retournement pratiquement indécent pour justement donner cet air de quelqu'un qui colosse événements. C'est un fumiste de première catégorie. Mais il y avait aussi, ce n'était pas le seul dans le microcosme algérois surtout, parce que le gros de l'information, malheureusement, en Algérie, se fait à Alger. Le DRS de l'époque, hein, je parle d'il y a plus de 10 ans, avait cette puissance dans les médias qui faisait que ces mêmes médias-là appartenaient pratiquement au même microcosme, mais fabriquaient de fausses réputations, de fausses compétences, de fausses capacités. Un journaliste pouvait lancer comme ça l'homme de je ne sais pas quoi, l'homme des besoins les difficiles ou des sales besoins, et ça faisait le tour. Et évidemment, on a fabriqué beaucoup de personnages qui étaient totalement faux. Il n'y a pas que M. Ouyahia, il y a plein de faux personnages qui ont été fabriqués par ce genre de presse qui étaient au service des mêmes officines.
aujourd'hui, face à la crise, parce que là, c'est une crise réelle, c'est vraiment la fin des haricots pour ce qui est des mensonges à répétition qui datent pratiquement des années 80, il y a une sorte de panique dans la maison, dans toute la maison. Et là, il s'est avéré que Yahya n'a jamais été un pompier, il a toujours été un pyromane, et que les vrais pompiers, c'était justement ceux qui croyaient qu'il allait éteindre le feu, et qui finissaient de toute façon par l'éteindre à leur manière, bien sûr, en étouffant les incendies, avec des méthodes pas très très orthodoxes, et même pas très très légales. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette marge de manœuvre. Donc c'est ce qui a dû certainement attirer leur attention sur les derniers propos qu'il a tenus. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les réseaux sociaux, donc le retour d'écho dans la société n'est plus le même que celui des années 90 ou le début des années 2000. Durant les années 2000, quand Yahya tenait un discours tordu, la réponse venait des journaux qui appartenaient pratiquement à 99% au même camp. Donc, il donnait à ce discours une aura qu'il n'avait pas, il lui donnait une logique qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, non, il y a d'autres intervenants sur la scène. Farhat Haitali. Pièce par pièce qu'il dit. Farhat Haitali, je vais vous lire un passage de l'article de TSA qui cite lui-même le quotidien d'Oran. Alors, selon le quotidien, la DSI a demandé à des conseillers économiques à la présidence de la République de faire une analyse du contenu des discours et déclarations de Yahya depuis sa nomination comme Premier ministre. Le rapport en question a souligné le caractère provocateur et par conséquent dangereux sur la société des déclarations de Yahya en ces temps des plus troubles en Algérie, à ses frontières, chez les pays voisins et même plus loin dans d'autres régions où le désordre est total, c'est mis entre guillemets, parce que ce sont les propres termes du rapport de la DSI. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, je n'ai pas lu le rapport de la DSI, ça c'est ce que dit la presse. Mais ceci dit, le personnage Yahya est effectivement dangereux. Il n'y a pas que ses propos qui sont provocateurs et dangereux, lui-même est dangereux. Moi ce qui m'étonne, c'est que ce même service n'a pas fait ce genre de rapport sur le personnage quand il était 10 fois plus dangereux, quand le baril était à 110 dollars, et qu'il nous a empêchés justement de décoller avec ces 110 dollars en les transformant pratiquement en rente piégée par les gros comptes du système. Il a fallu justement qu'il y ait la panique à bord, qu'il n'y ait plus d'argent à se partager pour que pratiquement le pontin ou le poulain, appelez-le comme vous voulez, de ces mêmes officines, se retrouve subitement dans un rôle de provocateur. Il n'a jamais cessé d'être provocateur, il n'a jamais cessé de détourner l'attention des gens sur les problèmes essentiels et aussi de détourner les efforts du pays et même la volonté d'avancer du pays vers les officines qui le contrôlaient et vers bien sûr les cercles décideurs qui décidaient de notre destin et de la rente. Merci. Merci, Farhat Haitali. Restez avec nous. Qu'il ne soit plus d'accord. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, vous allez avoir vous et Soufiane Djilali à environ une minute chacun pour le mot de la fin. Je commence. Oui. Bon. Qui détient la réalité du pouvoir dans ce pays ? Il faut le dire. Oui. Est-ce que c'est la présidence de la République ? Tant qu'elle a de l'argent, à mon avis. Je dis non. D'accord. Il y a un pouvoir dans ce pays. Il y a un pouvoir personnifié, incarné. Il est incarné dans l'armée. Et c'est l'armée qui détient le pouvoir. Et tout le monde appelle l'armée qui a nommé ou qui a installé Abdelaziz Bouteflika à Al-Mouradia de le déposer. Voilà le système. Voilà le système. Voilà ce qui a donné naissance à toute la mafiocratie que l'on dénonce simplement comme un vernis. Voilà la réalité du système. Si l'on veut combattre le système, il faut que l'armée se tienne à des responsabilités constitutionnelles renouvelées par une assemblée constituante. Les jeux électoraux... Mais pour en arriver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour arriver à une assemblée constituante ? Le peuple le fera. Le peuple le fera. Un moment ou un autre. La situation est suffisamment grave. Est suffisamment grave. Et il y a des jeux... Ça veut dire que vous n'appelez pas l'armée à intervenir, contrairement à certains... Je n'appellerai jamais l'armée à intervenir. D'accord. Parce qu'elle est intervenue à maintes reprises et la situation n'a fait qu'empirer. L'armée doit se tenir.
une seule chose, si vous permettez. Oui, mais rapidement. Très rapidement. Oui. Je veux citer cette déclaration de Mbeki en 1962. Oui. En septembre 1962, il disait ceci. L'appareil politico-militaire de l'armée avait à connaître de tous les problèmes du pays. Et il indiquait que cela était concevable dans une période de guerre, pas dans une période de paix où la première exigence est de construire un État. À l'évidence. Et nous allons rester là, Brahim Younsi, parce que nous allons donner le mot de la fin à nos deux invités. Souyane Jilali, en une minute à peu près, une minute quinze, le mot de la fin pour revenir à Farhat Aitali. Écoutez, à la fin de cette année 2017, l'Algérie est rentrée dans un tourbillon. Le pouvoir est vide et soubresaut de fin de règne. Autant le système de M. Bouteflika que le système en général depuis l'Algérie indépendante doit être revu de fond en comble. C'est un système qui agonise, qui va entraîner beaucoup de dégâts, mais il n'y a pas d'autre issue que celle de revenir à la souveraineté populaire et à la construction d'un véritable état de droit. Et j'espère que l'horizon va s'éclaircir devant nous. C'est la seule issue possible. Merci, Souyane Jilali. Farhat Aitali, il vous reste environ 1 minute 30. Moi, je trouve que autant on peut penser que le système est imprévisible dans ses réactions, autant moi, je suis sûr qu'il est prévisible en fonction des données du terrain. On était à peu près sûr, avec le temps et l'évolution des réserves de change vers le bas et de la rente vers le rétrécissement, que ça se terminerait de toute façon en Java entre les différentes officines qui tiennent un petit peu l'Algérie en otage depuis 50 ans. Donc plus on va avancer, plus ça va se resserrer entre eux, il y aura forcément une décantation. Elle sera violente ou négociée, mais il y aura une décantation de toute façon. Farhat Aitali, merci. Soufiane Jilali, merci. Brahim Younsi, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal Akhir, Salama.